La publicité, parce qu'elle favorise l'hyperconsommation, a partie liée avec le réchauffement climatique. Sans attendre un hypothétique accord des grands de ce monde à la COP21, les activistes anti-pub ont montré la voie avec une action à reproduire partout. Le mode d'action de ce soir, ça va être de remplacer la publicité par des messages qui ont vraiment un impact et qui, je pense, ont plus d'importance que de savoir quelle est la dernière robe ou le dernier maquillage qu'il faut avoir avec soi. Qu'il s'appelle le RAP, Résistance à l'agression publicitaire, le BAP, Brigade anti-pub, ou qui ne se revendique d'aucune étiquette, ils partagent le même constat. La publicité est une pollution visuelle, une incitation à la surconsommation contre laquelle il convient de lutter. La publicité, une agression, la publicité, un mensonge, la publicité, une incitation à la consommation, la publicité, une pollution. Le mouvement anti-pub est né à la fin des années 70 aux États-Unis et s'est propagé en Europe dans les années 80. En France, les premières grosses actions remontent à une dizaine d'années quand, en 2003, une centaine d'activistes recouvrent de peinture et de messages des centaines de panneaux publicitaires. Des messages anti-pub, mais également des messages qui peuvent avoir attrait à l'actualité. Les dérives sécuritaires liées à la COP21, le greenwashing, les nuisances liées à la surconsommation, autant de messages qui se substituent et se substitueront aux affiches publicitaires, leur combat ne semblant pas prêt de s'arrêter. Le mot de la fin, c'est que l'action n'est jamais finie, il faut continuer, il faut persévérer, il y a du boulot. On est sûr d'un truc en tout cas, c'est que si on fait rien, il se passera rien. J'adore la publicité, mais à la poubelle. Ouais, non, il y a trop de pubs, il y en a partout là, de plus en plus. Elle est sur Internet, elle est sur nos télés. Mais là, dans le métro, dans la rue, on ne peut pas y couper, quoi. On ne peut pas éteindre l'écran. À moins de se casser la figure, fermer les yeux, on est obligé de la... on ne peut pas y couper. Donc le seul moyen, là, c'est de mettre la main à la pâte.